Et mon incroyable famille sera chargée de noter chacune de mes tenues. Donc je pense que le concept vous connaissez très bien. J'essaye une tenue et puis il me donne une note. Et puis vous aussi en commentaire vous les notez. Et vous me croyez que la danse que j'ai faite, ça m'a essoufflé. Et franchement, ma condition physique est vraiment nulle hein. Donc du coup, vas-y ma famille qui aime trop critiquer. Franchement, genre, je sais même pas si j'ai avoir un 10. Parce que même quand c'est beau, ils m'ont toujours trouvé un truc. On dirait que c'est des haters de internet. Oui, oui. Même quand c'est bien fait, toujours ils m'ont trouvé un petit truc pour dire que non, ce truc là, c'est bizarre, ok. Donc s'il vous plaît, ne bougez pas et est-ce que vous avez vu comment j'ai fait? Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que vous attendez? Je vais le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour te montrer que je poste une vidéo en ligne à laquelle, si vous le voulez bien, un peu de parfum pendant chaque début de vidéo. Juste un pchit. Non, je te mets. Merci. Ça sent bon. Vous sentez? Ok, let's get into it. Annie, j'ai oublié de vous dire, guys, tous les liens de chacune de mes tenues seront en barre d'infos, d'accord? Donc Fashion Nova, c'est une marque de vêtements américaine. Ils proposent des vêtements super méga cool, super méga chouettes, à vraiment trois fois rien. Genre le prix, il est archi méga abordable, surtout par rapport au style du vêtement, tu vois. Ils ont grave des grandes stars qui s'habillent là-bas. Il y a Cardi B, il y a Megan Thee Stallion, il y a Kylie Jenner. Et vraiment, ça coûte pas cher du tout. Pour vous donner un équivalent, c'est à peu près le prix de H&M ou bien de Zara. Enfin, il n'y a rien de extravagant. Et pourtant, les modèles sont vraiment, vraiment cool. Et la qualité, excusez-moi, est également vraiment, vraiment sympa. Donc j'espère que vous allez aimer les vêtements autant que moi, donc on le saura dans un instant. Et pour commencer, on a cette tenue qui est une combinaison parfaite pour le confinement, parfaite pour traîner à la maison. Moi j'aime trop, ici il y a des élastiques en fait entre guillemets qui vont te cintrer la taille, ça veut dire que t'es cosy et en même temps t'es sexy. Genre on voit très bien que la go, tu vois... Elle a une belle forme, tu vois. Donc voilà, ça c'est la première tenue. Maintenant, je demandais à ma famille qui n'aime rien là de la noter. Donc, verdict. Qui commence? Moi, je commence. Vas-y. Franchement, pour cette tenue, je mettrais 5 sur 10. 5 sur 10? Ouais. Bah, elle est basique. Oui, elle est basique, ça peut se porter à la maison, ça peut se porter pour aller faire une course vite fait, tu vois, on est pendant... Elle est basique, cette tenue qui donne, une tenue qui est hyper méga mignonne, non, genre, basique, la couleur... Basique. Non, mais c'est vrai qu'elle est basique. Elle est basique. C'est vrai qu'elle est basique, mais basique ne veut pas dire que, c'est, que ça mérite un... Oh, bâche, elle est basique. Basique, mais elle est basique. Mais basique, basique ne veut pas dire que ça... Basique ne veut pas dire qu'on peut pas avoir un 10. Non. Genre, non. Dans le basique, genre, la couleur, elle est belle, elle va bien au teint, c'est centré, c'est stylé. 5,5, 6. Ça dépend sur qui aussi. Attends. Mais sur moi, ça allait donner plus. Hein. T'allais dire 8, dis 8. 7. Quoi, mais tu vas dire 8 un peu plus, non? Pourquoi tu l'influences? C'est toi, t'as rien demandé. Tu veux dire 8? Pourquoi tu l'influences? Du tout, tu donnes quand? Tu donnes quoi? Tu l'influences? Elle a dit 8, hein? Non, elle a dit 7. Hein. Elle a dit 8. Elle a dit 7. Elle voulait dire 8. Non, 7. Tiens, tu donnes combien? 10. Ah! Bien, je vais t'allaiter, tu mérites mon lait. Lily, sur 10, tu me donnes combien? 2. Elle a dit 2, elle a dit 2. Non, elle a dit 10. Non, elle a dit 2. Elle a dit 10. Attends, ok. Lily, tu as dit 2 ou bien tu as dit 10? 10. Bienvenue, guys. Et je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est ainsi, j'aime trop les combinaisons. Genre, je me sens grave à l'aise dedans, je me sens trop sexy. Catwoman, genre j'aime trop. J'aime trop. C'est exactement ce que j'allais dire. Catwoman, hein. Comme ma famille aigrie n'aime rien et qui n'ont aucun goût, je sais qu'ils vont pas aimer, mais bon, bref. Vous aussi en commentaire, faut noter. 9 et 10. Waouh! 9. Waouh! Merci, c'est bon! 7 sur 10, je la porterai, mais c'est pas waouh non plus. Moi, pour cette tenue, je mettrai 8 parce que c'est une très belle tenue, tout ça. Merci mon frère chéri. Ça, tu vois, ce sont des gens qui sont bénis. Alors qu'il a même des gens, moi, je suis pas bénie. Des gens qui ont un bon cœur. D'accord. Pas des gens aigris. Ouais. Prochaine tenue,
Waouh. Qui sont juste ici pour donner un côté assez classe à la vie. Et pas d'éléphant. Et voilà, et sympa d'air, tu vois. Mm-hmm. Sympa d'air. Donc franchement, j'aime de ouf. Mm-hmm. Donc voilà. Et la fermeture devant, tu vois. Ouais, le côté sexy. Ouf. Tu vois, non. Aïe, là, 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 là. Voilà. Ouais, ça bombe. Oh. Ma famille est gris là. Les rages là, les contre mon succès. Indexe-moi, même temps, c'est moi les gris, tout le monde sait. Notez, j'ai pas dit ton prénom. Mais notez ma tenue, s'il vous plaît. Alors. Faites vite, s'il te plaît, ma bouche me gratte. J'aime beaucoup la fermeture, les épaulettes, les pattes d'éléphant et la couleur surtout. Donc je vais mettre un 10. Oh, merci mon bébé. Un 10. T'es pas comme ta mère. T'es pas comme ta mère. Merci mon bébé. Et toi, tu me donnes combien sur 10? Belle mobile. Belle mobile. Mais là 10. Merci. Clinton, à toi. Moi je mettrais 8. Pourquoi t'as pas mis 10 comme les enfants? Mais c'est forcé. Mais attends, chacun donne sa note. Oui, hein. Mais je veux juste comprendre. Mais il y a quelque chose. Parce que t'as pris. Enfin, t'es pas bien. Enfin, t'es bien dedans, mais pas assez. Pourquoi je suis grosse? Bah oui, assez quand même dedans. T'es donu. En fait, dedans t'as une belle forme, mais t'es pas. La merde donu. Faut maigrir, ça sera mieux. On va mettre 2 points pour ça. Moi je donnerais un 7. 7 sur 10? Ouais. Pour ma tenue? Ouais. Et franchement, vous êtes grave des rages. Genre, la tenue elle va trop bien. Ouais, vous êtes cool en fait. Genre, la combinaison est trop belle. La combinaison est trop mignonne. Écoute-moi. Donc, c'est quoi? Je compte sur vous s'il vous plaît en commentaire. Laissez-moi une bonne note. C'est pas toi qui te note, c'est nous qui te notons. Donc, tais-toi. Moi, la combi même, je donne 10, tu vois. Mais portée, je donne 7. Comme Kita il a dit. Comme Kita il a dit. Donc, c'est moi maintenant? Oui. Qui fait perdre des points à la combinaison, genre. Ouais. Ok. Merci, 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 merci. Ils sont trop mauvais. Ils sont trop mauvais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que moi, je suis d'art. Tu sais, dans la vie, le plus important, tu vois, c'est que c'est ça. Next. Ça, si tu tournes encore les fesses. Oh. Wow. Wow. Ça monte fort. Wow. Oui. T'es mauvais. Wow, mais qui te peut? Sûrement je mets 12. Parce que t'es pas. T'as pas de très belle forme à l'intérieur. Regarde là le ventre, il est jigba. Moi 10. 10 sur 10? Toi arrête avec tes 10 là. Oh. Maman la rageuse? La tenue elle-même, je donne 20 sur 20. Wow. Attends, non. Mais portée, je donne. 16. La Sun Squad, est-ce que vous aussi, votre mère, elle aime trop voler vos habits? Ou bien dès que vous achetez un truc, elle se l'approprie? Enfin, c'est trop en fait. Genre, je lui montre une tenue, mais en fait, elle me voit pas avec la tenue. Elle se voit dans la tenue à ma place. Mais oui, Noah. Wow. Toi, à chaque fois, tu dis waouh. Wow. Ça, c'est un 9, ça. Oh, oh. Ça, c'est un 9 sur 10. Tu peux commencer? La robe, elle est magnifique. Franchement, elle est belle. Je la vois bien avec des talons rouges, mais bien rouges. Hein. C'est un 8. Waouh. 18. C'est la 4. Merci. Sur vous, je mettrais 10. Moi, je mets 9. 9 sur 10? Ouais. Merci beaucoup mon frère Tata. La robe elle est trop belle, franchement. Merci. Et vous, la Sun Squad, sur 20, vous mettez, enfin sur 20, sur 10, peu importe, vous mettez combien? Bon, j'avoue, cette tenue, je devais absolument mettre un peu des lunettes avec. Et un petit sac pour lui donner un petit style. Parce que franchement, elle est archi méga simple. Et pour être honnête avec vous, elle donnait un peu mieux sur le mannequin. Hein, parce que c'est vrai que sur moi. Bon, non, mais soyons honnêtes, tu vois, franchement. Un gros vivant. Celle-là, elle est. Disons la vérité. En fait, c'est une tenue qui n'est pas waouh. Genre, tu veux sortir avec tes copines, vas-y, tu mets non, ça. Non, elle est belle la tenue, mais j'ai aimé la phrase que t'as dit après. Elle était mieux sur le mannequin. Voilà. Amen. Ah, bref. Notez, on passe sur la tenue suivante. Prêchez. La tenue, je mets 9, mais portée, je mets 6. Et toi, tu mets combien? 2. Et toi, tu mets combien? 16. Toi, tu l'as entraîné en fait, c'est ça quand elle a dit 2 là? 2. 16. Ok, toi? 5. Et toi?
15. Merci. Je suis un tout petit peu déçue de à quoi ça ressemble. En fait, la soukote, pour vous la faire court, je ne sais pas forcément très bien m'habiller. Genre, demande-moi de, je sais pas, de te maquiller, ça je le ferais bien. Demande-moi de te coiffer, ça je le ferais bien. Demande-moi de te créer un parfum, ça je le ferais bien, ok. Mais c'est vrai que m'habiller, je ne suis pas la meilleure dans ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas hyper méga bien s'habiller, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire des gens sur Instagram. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu une fille sur Instagram qui a porté une chemise blanche avec cette ceinture-là, toute mignonne, etc. Et puis un jean et des talons. Et c'était trop beau sur elle. Du coup, j'ai recommandé les mêmes pièces. Mm-hmm. Maintenant, bon, je vous mets la photo en question. Quand tu vois ça et ça, je pense qu'il y a un petit souci. Mais bref, c'est pas grave. Dites-moi quand même, vous mettez combien à cette tenue? Moi, franchement, elle me plaît bien. Hein. Ah ouais? Autant elle peut se porter avec des baskets, mais avec des talons, ça le fait. Mm-hmm. Ça fait une fille de bonne famille, quelqu'un de présentable et tout. Mm-hmm. Je mettrai un 8. D'accord, maman, merci. 17. Merci beaucoup. Mm-hmm. Sachant que c'est un 8 sur 10. Hein. Ouais, ça fait 16 sur 10. Voilà. Mm-hmm. Je mettrai 10. Sur quoi? 10 sur... Ah non, 20 sur 20. Merci, mon amour. Toi, tu es exagère. Moi, je mettrai 7. 7 ouais. Sur quoi? Sur 10? Sur 10, ouais. Ok. Bon, bah... Mais... Ça va, t'as la moyenne. Et toi? 2. 4. 4? Ok, merci. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Sur 10. Non, un 7. Tu changes d'avis? Oui. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai donné un 8, je vais pas donner que des 8. Bah, donne un 9. Pourquoi? Un 7. Je donne un 7 sur 20. Je donne un 10 sur 10. Oh, toi, tu me prends les 10 là-bas. Mais laisse-la. Finalement, je donne un 14. Hein. Non, donne un 20 sur 20. Parce que là, c'est pas mon truc. Merci. Je donne un 5 sur 10. Amen. Prêche. Putain, arrête, pourquoi? Prêche. Arrête, c'est nul, 5. Mais attends, moi je lui ai appris de ne jamais mentir. Dis la vérité. C'est pas une tenue de ouf, genre c'est un haut et non, un jean. Moi je trouve aussi que les jeans de Fashion Nova ils sont bien. Ils font des belles fesses. Hein. Franchement, j'ai pas trop accessorisé cette tenue parce que j'ai pas envie de vous faire. Tu sais, des fois il y a des blogueuses, bah, peut-être comme celle que j'ai vue et qui m'a inspirée. Elles proposent une tenue qui te paraît assez simple, du coup tu vas acheter exactement les. Enfin, plus ou moins les mêmes habits. Et quand tu vas les recevoir, bah, ça ne donne pas. Parce qu'en fait, elles ont accessoirisé, elles ont mis plein de petits trucs, etc. autour qui vont rendre en fait le tout sympa. Mais non, moi, je préfère juste vous montrer les choses sans artifice. Comme ça, vous avez tout de suite le résultat brut et vous savez déjà à quoi vous attendre. Pas vous l'accessoiriser avec une casquette, des lunettes de soleil, etc., etc. Alors peut-être que mes lunettes Chanel qui coûtent très cher, vous ne les avez pas, tu vois. Et peut-être que c'est les lunettes qui donnaient un flow à l'habit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Donc moi, là, pour le coup, je suis archi méga simple. Je suis pieds nus. Vous voyez vraiment le produit, comment il est brut. Genre vraiment... Un body, hein. Ah oui, je t'ai pas dit c'est un body, un jean, et vous savez déjà à quoi vous attendre si vous voulez marcher comme un jean. Et c'est à vous même de faire la création, de rajouter des trucs. Voilà, et après maintenant c'est à vous de l'accessoriser comme vous voulez. Voilà. Donc je préfère que vous voyez déjà le basique de l'habit, et après que maintenant vous puissiez l'habit, enfin l'accessoriser comme vous voulez, plutôt que moi je l'accessorise et puis que vous arrêtez à vous. Ça vous. Je sais pas comment. Ça fausse la donne quoi. Ouais, voilà. Mais moi je kiffe le jean et le body. Un body comme ça pour moi c'est trop un must have. Ouais, genre c'est un truc tous les jours en fait. Ouais. Donc du coup vous donnez combien? Franchement tu vas pas me croire mais moi je donne un 10. Sérieux? Ouais. Sur 10 si tu veux. Maman, toi un 10? Ouais. Votre coiffure c'est quoi les filles là? Qu'est-ce qui se passe? Depuis on se calme? Depuis tard j'essaie de redresser. Je vais 20. 20? Ouais. Merci. Comme ta patronne a dit 20 aussi. Ok, vas-y. Et toi, Nina, tu là? 20 sur 20. Clinton. Ok, hypocrite. Clinton. Moi, je mets 20 au produit parce que franchement, sur une personne qui va le relooker, le truc est. Mm-hmm. Et Nina, toi, tu mets combien? 6. Merci, mon amour.
je t'aime. Du coup, la dernière tenue, guys, là vous pouvez le voir, hein, il commence grave à faire nuit. Mine de rien, essayer les habits et qu'on les note, ça prend grave du temps, je suis choquée. Enfin bref, du coup, ça c'est la dernière tenue, c'est une petite robe, donc la voici. Alors la tenue en soi, je l'aime beaucoup. Autant elle peut se porter simple, comme tu l'as portée là. Autant elle peut se porter avec une jupe, tu vois, enfourée, oui. Les jupes ovales, oui. Ou les jupes longues, oui. Simples, tu vois. Mm-hmm. Et simple comme ça, elle est très belle, on dirait les hôtesses de l'air, tu vois. MDR, ok, d'accord. Elle est très belle, mais un petit 10, elle est très belle, voilà. Ok, merci maman pour toutes ces critiques positives comme négatives. Et toi, Madjela? Donc je dirais 10. Merci. Pourquoi tu donnes trop les 10 hein? Laisse-la, Sephora, on y va. Un 17. Merci. Clinton? C'est sur 10 là. 10. Il me reste. Merci d'ailleurs, c'est un indice là. Bon, guys, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme vous avez bien pu le comprendre, elle est sponsorisée par Fashion Nova. Tous les liens de chaque article que j'ai porté et que je n'ai pas aussi porté, tout sera en barre d'infos. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux personnels, sur nos Instagram et nos Snapchat. Je mets tout juste ici. On vous laisse. Gros bisous. Merci pour la... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc, de là, toutes les tenues te talons à merveille. Oh, merci beaucoup. J'aime trop saucer. Oh. We love you guys.